Rebonjour les amis, je vous fais une vidéo. Je me rends compte que voilà, j'ai parlé des collaborateurs, j'ai parlé des enfants, mais j'ai oublié de parler de vous. En fait, on va commencer par la base. Comment bien vivre cette situation? Comment réussir à pas tomber dans une crise d'angoisse ou une crise de panique par rapport à ce qu'on est en train de vivre? Comme j'ai dit dans une vidéo, j'ai des personnes qui m'ont dit bah, waouh, là le coup il est trop, c'est trop dur à gérer, là c'est trop dur à encaisser. J'en ai d'autres qui m'ont dit bah écoute, franchement c'est n'importe quoi, je m'en tape. Peu importe ce que vous pensez, en fait, ce qui compte, c'est votre réalité. Et là, je vous invite avant tout de commencer par bien comprendre, par bien cerner quelle est votre réalité. Comment vous vivez cette situation véritablement, vous, à l'intérieur de vous? Quelles sont vos émotions? Quels sont vos ressentis? Posez-les par écrit si vous en avez besoin. C'est très, très important que vous soyez au clair avec vous-même. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce que tu es en train de vivre, de traverser là, tout de suite, maintenant? Comment tu te sens? Quelles sont tes pensées? Quels sont tes jugements? Quelles sont tes peurs? Quelles sont les actions que tu as envie, pardon, de mettre en place? Voilà, tout ça, c'est très très important de se dire waouh, stop, break, où j'en suis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait flipper? Qu'est-ce qui me donne de l'espoir? Qu'est-ce que je trouve ridicule? On se pose, tu te poses, tu te regardes droit dans les yeux, droit dans le cerveau, droit dans le cœur, et tu vois ce qu'il en est. Comment ne pas tomber dans une crise de panique? Ben, tout simplement en le décidant. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir sur ton cerveau et c'est toi qui vas pouvoir décider en fait de partir en panique ou pas. Alors je sais que c'est très facile à dire, mais tu vas te rendre compte que c'est facile à faire aussi. À partir du moment où tu commences à te rendre compte que tu pars en panique, tu dis stop, tu fais pause et tu envoies le message à ton cerveau que t'es ok, t'as compris que là il était en panique, qu'il avait peur, tu le remercies parce que ça veut dire que effectivement t'es pas en train de vivre une situation confortable et que tu vas faire en sorte de vivre cette situation de la façon la plus confortable possible. La première clé, pardon, pour ne pas tomber dans une crise de panique, c'est de faire une pause, de faire un break, d'arrêter cette espèce de machine infernale qui est en train de tourner dans tous les sens. Donc c'est vraiment cette volonté, cette concentration de dire, ok, j'entends que je suis en train de partir en panique, stop. Alors, pour arriver à arrêter cette machine infernale qu'on peut avoir dans notre cerveau quand il s'emballe dans les choses négatives, on a plusieurs solutions. Déjà, un, c'est je dis stop. Deux, on va utiliser ce qu'on appelle des ancrages. Des ancrages qui vont nous ramener à quelque chose qui nous fait du bien. Ça peut être la photo de quelqu'un qu'on aime, la photo d'un paysage. Ça peut être une musique qui nous fait du bien, qui nous fait se sentir super positif, etc. Et de suite, on s'approprie ce contenu. On prend cette photo, on prend cette musique, on prend ce souvenir. Ça peut être un souvenir de quelque chose de chouette que vous avez vécu. On prend ce souvenir, on s'y accroche de toutes ses forces en disant c'est ça que je pense, c'est ça qui me fait plaisir. Et vous pouvez même aller plus fort en mettant les mains sur votre cœur, en fermant fort, fort, fort les yeux, en disant c'est à ça que je pensais maintenant, c'est à ça que je pense maintenant, c'est à ça que je pense maintenant. Et vous revenez à vous. Vous soufflez un maximum. Vous allez vous concentrer sur votre respiration, tout en gardant cette image à l'esprit. Okay? Vous allez faire ralentir votre rythme cardiaque, vous allez réoxygéner votre corps et rien que le fait de venir se concentrer sur votre respiration, ça va énormément vous aider. Faites des exercices de cohérence cardiaque si vous voulez, on en trouve sur Internet, il y en a sur YouTube, ou tout simplement juste vous inspirez, vous bloquez quelques secondes, vous expirez. Essayez de le faire au moins sur 4 temps d'inspiration, 4 temps de rétention, 4 à 6 temps pour expirer et posez-vous au maximum. Il va y avoir comment dire, besoin d'un grand contrôle de vous-même. Tout va bien se passer à partir du moment où vous avez confiance en votre capacité à ne pas dérailler. Et vous allez y arriver, vous allez pouvoir prendre le dessus, c'est extrêmement important, j'ai toute confiance en vous là-dessus. Si vous n'y arrivez pas, envoyez-moi des messages, je vous expliquerai comment faire. On se pose. C'est le moment de se mettre à la pleine conscience, pardon, à la méditation, à se recentrer sur soi. Pourquoi? Parce que la clé, elle est à l'intérieur de nous. Pour éviter la crise de panique, on le décide, on fait une pause dans notre mental, on s'ancre à quelque chose de positif, on revient à son souffle. Une fois qu'on est bien redescendu, on regarde la situation de la façon la plus objective possible. Et surtout, surtout, on ne reste pas seul par rapport à nos angoisses. On en parle à quelqu'un de positif, on évite de s'alimenter sur des choses négatives. Je sais qu'il y a plein de réseaux qui vont être focus sur tout ce qui est négatif. Je vous invite à vous mettre sur ce qui est positif et sur ce qui vous fait du bien dans la vie. Ouvrez-vous à la solidarité. Faites en sorte qu'on s'entraide les uns les autres par rapport à tout ça pour se dire que oui, on passe ce moment difficile.
Vous avez certainement des personnes autour de vous qui sont en grande situation de stress. Vous savez à quel point ça vient attaquer notre santé, à quel point ça attaque notre jugement aussi. Donc, soyons les premiers à être conscients que nous sommes totalement imparfaits, que nous allons gérer ça du mieux que nous pouvons et trouver des personnes ressources pour vous aider à passer ce cap. Vous allez être une personne ressource pour d'autres, ça c'est sûr. On sait en plus quand on est hypersensible, atypique. On a l'habitude que plein de gens viennent nous demander des conseils, plein de personnes viennent, on a un peu le psy de tout le monde en fait, hein, il y a plein de gens qui vont venir avoir besoin de notre aide. Bah, ok, on commence par soi, on commence par vraiment être bien avec tout ceci, et puis comme ça, on pourra aller aider les autres. Donc pour éviter la crise de panique, un, je le décide, je suis plus forte que mon cerveau, je suis plus forte que ce qu'il est en train de penser. Deux, je m'accroche à quelque chose qui me fait du bien. Ça peut être aussi un objet, hein, bien évidemment, ça peut être une pierre qui vous permet de bien vous sentir, comme de la tourmaline par exemple, qui éloigne toutes les choses toxiques, ou toute autre pierre que vous avez chez vous. Ça peut être aussi un objet, une bague, un bijou, un truc que vous avez depuis que vous êtes petit, enfin voilà, quelque chose qui a un fort symbole pour vous, ou une photo, une image, un paysage, un souvenir, vous vous ancrez là-dedans, c'est cette émotion qui vous fait du bien, une musique aussi peut vous aider, vous allez à l'intérieur de vous, rendez-vous compte à quel point à l'intérieur de vous ça fait du bien. Là, c'est tout un travail qui vous permet de rentrer en vous. Octroyez-vous des moments de calme dans la journée, c'est très très important. Faites des pauses, commencez la méditation du mieux que vous pouvez. Centrez-vous sur vous, soyez en conscience et surtout entourez-vous de personnes positives. Ça, c'est très très important. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Je pense que je vais organiser plusieurs lives pour qu'on puisse discuter ensemble. Je suis là pour vous, pour qu'on vive ça du mieux possible ensemble. Je vous aime tous très très fort. Je crois en notre capacité à franchir tout ça. Je crois en toute la magie qui est à l'intérieur de toi pour pouvoir te permettre d'être pleinement toi, y compris dans ces situations délicates. Ciao, à bientôt. Merci.